Madame Bayeux. Oui, en chair et en os. Vous êtes arrêtée? Ben non, tu voyais bien que je marchais, hein. Oui, mais je vais vous demander si vous avez des ennuis avec les forces de l'ordre. Ah non, parce que moi, quand j'ai du 10 ans, je n'ai pas besoin des forces de l'ordre pour me remettre dans l'ordre. Ah. Nous avons été réquisitionnés par le bourgmestre. Sérieux? Mais vous bien, puisque les hommes de la voirie de nous autres. Alors Edouard m'a dit que je devais travailler, ah oui, pour supporter le personnel communal. Ah oui, vous le supportez tellement bien que vous faites son travail. Ah oui, hein, gratte-moi un peu dans le dos. Ça va? Oui. C'est-à-dire, voyez-vous, qu'elle montre l'exemple. Oui. Ah. Je ne savais pas que vous étiez occupé à la ville, moi. Si, je suis une chômeuse remise au travail, moi. Mais on m'a remis au travail pendant les greffes, alors je travaille toute seule. Avec moi, hein? Oh oui, toi, tu ne me regardes pas, hein? Oui. Et je vous protège. Mmh, oui, oui, enfin, il est un peu votre ange gardien, en fait. Hein? Et vous avez échangé votre patraque contre une pompe de ville. Non, monsieur, c'est-à-dire que quand madame est dégonflée... C'est vous qui l'a regonflée. Je n'ai pas besoin d'être regonflé, sais-tu, moi. Ah non, je veux dire qu'il regonfle votre nu. Il a tout dit l'air de rire des tièces. Mais je ne ris pas. Vous, madame Badia, au contraire, j'admire votre dévouement. Ah, heureusement, c'est ça, c'est tout ce que tu as comme poubelle. Non, ça, c'est un extra. Un extra, tu le portes dans ta main. Et alors, les autres, tu vas les mettre devant les maisons des gens. Ah, jamais de la vie, non, non. Tous les soirs, ma femme et moi, nous allons mettre notre sac devant le mur du cimetière. Oh. Mais il est strictement interdit de déposer une poubelle devant le mur du cimetière. Que voulez-vous que j'en fasse? Attendre qu'on vienne les ramasser. Ah, ça, pour attendre, on attend, hein. On a de la patience, tout arrive. Ah, ouais, tout arrive, même les poubelles. En même temps, si ça continue, je vais faire comme mon voisin Génard, où je vais acheter un cochon, moi. Ah, hein? Ouais? Oui, oui. Votre voisin Génard a un cochon? Ah, oui, hein, c'est par lui, c'est tout le cochon. Oh, c'est non, le cochon, ah, ouais. Acheté, hein. Et où l'a-t-il mis? Dans la cuisine. Et pour l'odeur? Oh, le cochon, ça m'est habitué. Hein. C'est pas ça, mais on vit quand même une drôle de période. Ah, mais ça ira mieux, hein, quand il y aura un plan de redressement. Finalement, les manies des cils, ici. Mais quand ils auront trouvé leur plan, n'est-ce pas? Oui. Ce sera plan, rataplan. Et toi, ton plan de redressement, qu'est-ce que c'est? Mon plan de redressement? Tant que ma femme ne se plaît pas, moi. Et alors, du moment où j'ai ma petite place au cimetière... Oh, il est joyeux, celle-ci. Non, pas au cimetière, devant le mur du cimetière, oui, pour déposer mes bonbonnières. Mais je vous ai dit qu'il y avait un écriteau qui interdisait de mettre les poubelles devant le mur du cimetière. Je veux bien, monsieur l'agent, mais le tas de poubelles est tellement roux qu'on ne voit plus l'écriteau. Alors... Et on a encore de la chance qu'on n'a pas des bêtes, hein. J'en ai, sais-tu, moi. Oui. Des rats? Des wanchons. Dans les poubelles? Non, dans mes boîtes clés. Et qu'allez-vous faire pour vous en débarrasser? Il va baguer, hein, monsieur l'agent. Et à propos au train, elle n'a vu deux questions sur le route des Verviers. Et on m'a amené discuter parce qu'il est bien ce diosé avec des ailes, non? Et un autre qui dit à l'autre, Jim Plessimo, hein, Médesté. Et l'autre qui dit des verres, l'île, nous ira en fin de bonne heure, hein, Et savez-vous bien qu'en Angleur, on a tué deux renards qui voulaient aller à Liège? Ah non, ils ne voulaient pas aller à Liège, non, ils voulaient voir un autre renard. Ah là, il n'y a pas des renards chez nous. Quand mes gens, Gololo, on y avait pour partir des sous à ta Ce qui les a digérés? C'est rien, ils digèrent tout, sauf l'archer, Nicolas. C'est comme Martens, hein? Quand on lui parle de Coquerel, il n'est plus fort serein, hein, non? Il nous faudrait une femme au bras de fer, comme en Angleterre, Madame Thatcher. Ah ouais. Oui, hein? Ou bien comme en France, un ministre de paix. Ouais. Ah, on a déjà un ministre fil de fer, hein? Qui donc? Le ministre Noton, hein? Ah ouais. Ici, on a quatre ministres d'acier, hein? Alors, on fait mal avec quatre ministres d'acier. Mais pour en revenir à Liège, est-ce que ça va s'arranger? Oh, oui, à Liège, tout s'arrange toujours, hein? Eh ben, alors, reste optimiste. Ah, optimiste, même devant les immondices, ah, comme oui. Ma voisine Zénobie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, je vais t'expliquer le bazar. Il y a deux témoins de Jéhovah qui viennent sonner à sa porte, hein? Et alors, elle va ouvrir. Et il y en a un des deux qui dit, on vous apporte la bonne nouvelle. Chouette, pistole, on va venir tamasser mes